Bonjour à toutes et à tous, épisode 8 sur God of War Ragnarok. Alors désolé, j'ai coupé un peu rapidement le précédent. Parce que la voisine n'avait plus de courant. C'est Tyr, mais il manque le panneau central. Une minute, je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai, mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Ok. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour, pour une fois. Atreus. Allez, tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux... Des animaux... Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de... De pluie. Tu as tout caché. J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant... Tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non ! Oh, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère ? Elle était bête en plus d'être laide. C'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups. J'y suis allé un peu fort. C'est pas fini. Mon frère, le garçon. Atreus! Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Waouh! Eh ben écoute. Prends le bateau. Freya n'est pas loin. Eh ben, que des rebondissements. Ah, j'ai plus de piles sur la manette. Mais pas de problème, j'ai une deuxième manette. Ouais, je sais pas si je te l'ai dit. À l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des maux physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... Un dieu qui se croit mortel, ça ne me surprendrait guère. Nous y sommes presque.
Oula. Quelqu'un vient d'appeler le serpent. C'est vrai. La fièvre le consume. Et il tremble. C'est grave. Nous devons faire vite. Freya ! Ouvre cette porte ! On a besoin de toi ! Bon sang, est-ce que tu m'entends ? C'est très urgent ! Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. Freya ! Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Ah, c'est pour ça la fièvre ! Le feu ! Tout est ma faute. Tu vas m'aider ? Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais ? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Des terribles oh j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris ? Atreus. Heimle, tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Freya. Lors de ma dernière visite, je... Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Elle est tellement touchante, Freya. C'est donc comme ça qu'on va récupérer, ben, vous vous en doutez bien. Il fallait que ce soit Helheim. Tout va bien, frère ? J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas.
Qu'est-ce que c'est que ça encore? Athéna. Sors de mon esprit. Plus j'y joue, plus je me dis, mais comment j'ai pas pu finir ce jeu? C'est vrai qu'il est terrible, hein, honnêtement. Bon. C'est parti les amis. Comme dit, je me rappelle pas du tout. C'est juste dommage, c'est un petit peu trop sombre, je trouve, là, la scène.
Ah, les larmes du chaos. Ok, je comprends mieux maintenant. Ah oui, parce qu'en fait, Kratos n'a jamais eu de hache. C'était les larmes du chaos. C'est pour ça qu'il se couvrait les bras, pour pas le voir. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas. Un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Oh, 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 oh. Oh oui. Voyons de quoi c'est là. Ah, oh, c'est tellement bon. Ah ouais, je kiffe tellement les larmes du chaos. Ah ouais, c'est tellement jouissif. Ma foi, oui, ces lames te seront utiles à Helheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les royaumes. Ah, Léviathan. Jardin, pratique. Prends ce raccourci. Lame du chaos. Rends-toi à Helheim. Ok. J'ai rien écouté de ce qu'il a dit. Faut que j'aille là, je pense. Moi, j'ai pas le choix de toute façon. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier? Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Là, il y a un truc mythique, normalement. Bah, si tu sautes, tu meurs, normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Normalement, il dit un truc. Et tu pues la magie d'un autre monde. Par les simples nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne sera jamais. Écoute. Mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames. Elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur.
Kang. On doit tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Helheim? Merde, c'est du sérieux! T'en fais pas, Link. Je vais garder un œil sur toi. Alors... Donc du coup, je pense que là, on va récupérer des braises ardentes, dans la logique. L'âme du chaos. Ok. Et pour l'instant, ben... Il faut juste qu'on aille là-bas et puis qu'on récupère ça, quoi. Je te dis, le jeu, il est sorti en 2018. Juste pour la petite parenthèse, en prenant 30 secondes, je l'avais commencé sur PS4 Pro, du coup, parce que je l'avais racheté pour The Last of Us Partie 2, et puis j'avais pris God of War. Je l'avais commencé, mais j'étais pas arrivé jusque-là, tu vois. Et j'avais arrêté, je ne sais plus pour quelle raison. Et ensuite, j'ai simplement décidé de laisser tomber le bazar, on va dire. Après, il y a le Ragnarok qui est venu quand j'ai eu ma PS5. Celui-là, je l'ai poncé. Et après, j'ai dit, mais t'es trop con, refais le God of War, le premier, quoi. Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Et c'est vrai que, franchement, il est excellent, quoi. Il y a beaucoup de choses que tu comprends. Et en fait, dans le Ragnarok, tout était présent dans celui-là, presque. C'est ça, le truc de ouf. Mais découvrir comment t'as eu les larmes du chaos, machin... Par contre, ça n'explique pas, ou alors j'ai loupé un épisode, pourquoi Atreus, donc, est malade. Dans le Ragnarok, il n'est pas du tout malade. Peut-être qu'on va le découvrir plus tard dans le jeu, je sais pas. C'est vrai que c'est super bien amené, hein, vraiment. De toute façon, déjà à la base, dans celui-là, il te parle du Ragnarok. Et le nouveau jeu, en fait, s'appelle God of War Ragnarok, tu vois. Ça se trouve, je pense que tout le monde, quand on a fait ce jeu-là, on pensait pas que le prochain, ça serait God of War Ragnarok, tu vois. Et du coup, peut-être que le prochain God of War, tout était déjà dans le Ragnarok, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il y a de fou. Sur toi. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Alors que là, nous intérêt à fonctionner. Ok. Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'ont pris pour se rendre dans leur siège permanent, cité des Helheim. Oh, calme-toi. Arrête. Mais c'est pas possible, je peux rien faire. Mais il se passe quoi? On n'avait pas besoin de ça. J'ai spammé la touche pour esquiver, il ne s'est rien passé, je n'ai rien pu faire. Clairement. Attends, j'ai plus de piles à ce point-là sur la manette ou quoi là? Je suis tellement nul. Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes.
Celui que nous cherchons est le pont des canons. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, cité de Helheim. Le gardien qui en garde l'entrée, celui qu'on cherche. Puis ce pont est une bras manuel. Voilà. Bon. Ça va mieux là. Par contre, tu me posais une question très con. Compétence. Ah, là, on va commencer à discuter là. Enchaîner rapidement vos coups. Ouais. Maintenir deux, je prends. Je pense qu'on va avoir une rune ou un truc. Voilà. Bah pour l'instant, on va mettre ça, hein, parce qu'on a rien d'autre. Utilise le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Ok. Ça, encore une bonne raison d'être allé chercher ses lames. Attention, derrière toi. Bon, vas-y toi. Attention. Ok, alors vous dites-moi, pour des joueurs Sony, qui avaient donc fait le The God of War ainsi que le Ragnarok, vous êtes plus team quoi? Arche Léviathan, l'âme du chaos, ou la lance? Les morts récents devraient être ici. Il y en a beaucoup trop. La porte doit être fermée. Et si la porte est fermée, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. Alors moi, je te dirais que pour être totalement franc avec toi, en étant un peu nostalgique des anciens God of War, je te dirais l'âme du chaos. Parce que ça représente Kratos. Kratos, on l'a connu sur PS1, PS2. Avec les lames du chaos. Après, la lance d'Ofnir, bon, ça c'est une nouveauté du Ragnarok. Elle est vraiment sympathique, j'aime beaucoup cette arme. Arme spartiate. Mais j'hésiterais avec la hache Léviathan qui finalement c'est une arme de destruction massive. Hein. Clairement. Fermé. Et maintenant? Attends, c'est quoi qu'il faut faire? J'ai pas compris un truc là. Ok. Yeah.
Oh, je t'ai pas vu, toi. Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Attends, là il y a un truc que j'ai pas capté là. Il faut que je tourne le merdier, je pense, non? Ah non, ok, juste passer par là. Ok. Bah écoutez, cet épisode, je vais le faire un peu plus court. On aura retrouvé les lames du chaos. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Portez-vous bien. C'était LSA, la bise à tous et à très vite pour la suite. Ciao tout le monde!